Grève des pilotes de la Lufthansa pour 3 jours. Un mouvement entamé ce matin et qui contraint la compagnie aérienne allemande à annuler environ 3 800 vols jusqu'au week-end. Une décision dénoncée par des milliers de passagers à l'image de cette femme. La somme que nous avons dépensée pour le train et le bus est probablement perdue. Difficile aussi d'obtenir un remboursement. Ou alors il va falloir réclamer avec vigueur. Le syndicat des pilotes de ligne a appelé à cette grève en raison d'un conflit portant sur les modalités des contrats de transition proposés aux pilotes qui partent en retraite avant l'âge légal. Nous parlons de très grosses sommes. Il y a un fonds à la Lufthansa pour les retraites anticipées. Il est évalué à 1 milliard d'euros grâce à des collègues qui ont cotisé pendant 30 ans parfois. Et maintenant, la Lufthansa veut mettre la main dessus, le dissoudre et le redistribuer sous forme de dividendes aux actionnaires. La grève affecte aussi les services cargo de la Lufthansa. Le ministre allemand des Transports a demandé aux deux parties de trouver rapidement une solution au conflit pour le bien des voyageurs.